Nous avons choisi l'accueillir de Tacobandé pour cette journée d'investissement humain. C'est une action que le réveil a l'habitude de faire à l'approche de l'ouverture des classes. Mais cette fois-ci, cette activité a coïncidé avec l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a demandé à ce que les écoles soient nettoyées. Donc c'est ce qui nous a motivés à venir ici aujourd'hui, accompagnés des haïtiens qui sont ici à Siglo, à savoir l'haïtien Foyer, Espérance, Espoir et Galongal, pour faire cette activité citoyenne. Pour rendre l'école accessible dès demain. C'est un acte à saluer parce que l'école de Tacobandé est un patrimoine pour le Siglo. L'école n'appartient pas à la SRV seulement, c'est l'école de tout le quartier de Siglo. Et à Siglo, on a vu qu'il y a beaucoup d'haïtiens. Et c'est pour cela que cette année, on a jugé de faire participer ces haïtiens-là parce que l'école est un patrimoine de Siglo, de Kolda. C'est un acte important. Et pour aussi que les haïtiens, les autres haïtiens qui sont aux alentours de cette école puissent aussi participer à cette activité, c'est pour cela qu'on les a fait venir. Donc comme je l'ai dit au début, c'est une activité que le réveil a l'habitude de faire chaque début des ouvertures, à la veille des ouvertures. Et on compte pérenniser cette activité, mais aussi après cette activité d'investissement humain, la commission avait organisé des cours de vacances et le président avait promis des fournitures pour les élèves qui avaient fait les cours de vacances. Et après cette activité de nettoyage, on va procéder à la remise de fournitures aux enfants qui ont fait les cours de vacances. C'est un acte à louer, c'est un acte à saluer. D'autant plus qu'ils ont impliqué toutes les associations sportives et culturelles qui sont dans la zone, dans le secteur de l'école élémentaire École Yerou Tacobandé, connue sous le nom École 2. Donc c'est un acte à saluer. Ça a montré que leur AIC est l'AIC mère de toutes les autres AIC qui sont à côté. Ils ont paralysé, ils ont englobé tout le monde et mis tout le monde sur les mêmes pieds pour l'environnement de notre école. Merci aujourd'hui de l'AIC Réveil. Donc vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit, au nom de l'association des Paradeux, nous remercions vivement aujourd'hui la commission éducation environnement de l'AIC Réveil qui, à travers son président, vraiment a mobilisé toute l'AIC Réveil et également toutes les AIC qui polarisent le Siglo. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction également et de grande fierté pour les jeunes de Siglo.